Bonjour, ici François Tadeil. Bienvenue à Micro-Info 2.0. Cette semaine, il sera question de cartes vidéo, du fameux ordinateur, le Cube de Apple, le Power Mac G4. Aussi, un peu plus tard dans l'émission, il sera question de logiciels d'animation corporelle, également de ressources en matière de virus informatique. Et plus tard, dans la deuxième portion de l'émission, nous parlerons de jeux de sport, de jeux de stratégie et aussi de jeux de rôle. Mais nous allons commencer, sans plus tarder, par discuter, je dirais, du marché de l'informatique au Québec. Et pour ce faire, nous sommes avec Alain Motard. Bonjour, Alain. Bonjour, François. Bon, il y a à peine quelques mois, le gouvernement du Québec a lancé son programme Brancher les familles. Les fournisseurs se sont accrédités. Et là, on est rendu avec une liste incroyable de gens. Et on voit de plus en plus d'annonces dans les journaux d'ordinateurs pas chers. Oui, bien, c'est un phénomène qui est arrivé. Premièrement, les fournisseurs actuels se sont accrédités au programme. Donc, dans le fond, on remplit les formulaires, on dit qu'on va respecter les normes de ce programme-là, on s'installe. Mais il y a aussi des nouveaux fournisseurs qui sont nés de ça. Ils se sont dit, mon Dieu, voilà un beau créneau pour moi. Et on s'est ramassé avec des nouveaux fournisseurs. Mais par contre, le marché du programme Brancher les familles sur Internet, c'est pas tout le monde qui a nécessairement les moyens, même avec le rabais, d'aller chercher un ordinateur haut de gamme avec ça. Ça va demeurer une guerre de prix qui va s'installer au niveau de ces détaillants-là. Et une guerre de prix, ça passe par quoi? Ça passe par des pièces souvent qui sont moins dispendieuses, puis on va en avoir pour notre argent. Des systèmes qui sont moins bien conçus pour l'avenir, on pourrait dire aussi, qui sont moins évolutifs, entre guillemets. Moins évolutifs, des fois emprisonnés dans leur propre configuration, donc on ne sera pas capable de les mettre à jour dans 1 ou 2 ans. Ou encore, ce sont des systèmes qui vont faire miroiter des belles caractéristiques, des belles performances. Ça semble un bon système complet, mais en réalité, lorsqu'on va voir le cœur à l'intérieur, si on demande l'avis, par exemple, d'un technicien qualifié, vous allez avoir probablement des grimaces et des grincements dedans. Bon, si on se rend sur le site web du gouvernement, Brancher les familles, et qu'on va dans la section, justement, qui parle des fournisseurs, on se rend compte que la liste, elle est interminable. On en a vraiment une quantité incroyable. Oui, bien, on revient à ce qu'on disait tantôt. La quantité de fournisseurs, c'est que le fait d'être accrédité ne vous donne en rien la qualité de votre fournisseur informatique. Il y a environ, juste pour la région de Québec, sans rire, plus de 200 fournisseurs qui sont accrédités. Est-ce que ces 200-là font tous un bon travail? Est-ce que ces 200-là sont meilleurs parce qu'ils sont accrédités? Non. Il faut choisir votre ordinateur avec le programme Brancher les familles de la même façon que vous le choisiriez sans ce programme-là. Donc, magasinez, allez voir, puis achetez là où vous avez confiance en réalité. Parce que le fait d'être accrédité, ça dit en rien que la personne que vous allez voir est nécessairement compétente. Et une des choses qui est souvent absurde, c'est de voir un nouveau magasin surgir et offrir des ordinateurs neufs avec des garanties de 3 ans. Alors que ça ne fait même pas 3 ans qu'ils sont en opération, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est supporter une garantie pendant 3 ans. Et il y a toutes les chances du monde pour que dans 1 an, soit fermé. Alors, il faut faire attention à ce niveau-là parce que c'est alléchant à ce moment-là. Puis, il faut se rappeler d'une chose. Une garantie de 3 ans, c'est lourd à supporter pour un fabricant d'ordinateurs, en particulier lorsqu'ils débutent. Ils n'ont pas nécessairement de ressources, ils n'ont pas nécessairement une grosse encaisse, donc les moyens de supporter des bris. La majorité des pièces que le magasin achète est garantie 1 an pour le commerce lui-même, des fois même 3 mois, et ils vous disent qu'ils vous donnent 3 ans, ça veut dire qu'il y a 2 ans à leurs frais. Il faut qu'ils soient capables, advenant une avarie technique, de pouvoir sortir l'argent de leur poche pour vous remplacer cette pièce-là par un équivalent ou une pièce supérieure. Mais c'est pas le cas nécessairement d'un commerce qui vient de naître. Et puis, surtout, un commerce qui cherche à rentrer dans une guerre de prix. Il va diminuer ses profits, il va y aller au strict minimum. Et puis, des fois, c'est pas toujours des gens qui savent administrer de façon correcte. Donc, ça peut être dangereux. Juste avant l'émission, on a fait une petite recherche dans les journaux de la région. On a déniché une annonce qu'on va montrer et qu'on va critiquer. Tu vas nous expliquer un peu quels sont les pièges, ce qui est caché dans cette annonce-là, ce qui n'est pas dit, parce qu'il y en a beaucoup d'annonces comme ça. Oui, bien, il y a énormément d'annonces où, dans le fond, on voit les caractéristiques globales. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une annonce qu'on a dénichée. En apparence, ça a l'air très alléchant. On a un processeur Pentium 3, 733 MHz, 128 MB de mémoire, disque rigide. Si on prend les caractéristiques globales, ça va bien. Dans la réalité, on appelle le commerce, on s'informe. Bon, le Pentium 733, on ne peut pas l'inventer, il est là, il est réel. Le 128 MB de mémoire, il est aussi là, il est réel. Le disque dur 20 GB, ça, c'est une surprise. Généralement, un commerçant n'a pas le droit de faire ça sans l'afficher. C'est, dans la plupart des cas, un disque dur qui a été réparé. Donc, c'est un œuf qui a eu 1 semaine, 2 semaines d'utilisation. Il y a eu un petit bris technique qui a été réparé, il a été revendu à rabais au fournisseur. Normalement, avec les réponses qu'on a eues,
Moi, je crois détecter ça. Je le dis sous toute réserve. Et puis, si c'est le cas, ils sont obligés de le marquer dans ce cas-là. La carte graphique qui nous est identifiée ici, à 32 MB TNT, c'est une carte M64, donc qui utilise la mémoire du système. Et le 32 MB affiché là, en fait, il est variable au choix d'utilisateur, partagé avec votre mémoire vive. Donc, vous venez de perdre 32 MB de votre mémoire vive, aussi bien dire que vous avez acheté un ordinateur avec 96 MB de mémoire et non pas 128, puisque vous avez à en utiliser autre part dans votre système. Et vraiment, ce qui est aussi souvent le cas de ces ordinateurs pas chers-là, c'est au niveau des autres composantes, carte de son, par exemple, modem, c'est on-board, c'est-à-dire que c'est soudé sur la carte mère. Donc, ça a vraiment une valeur moindre là, au niveau des performances, entre autres, et aussi la possibilité de mettre à jour l'ordinateur. Exact. C'est qu'on est prisonnier de notre environnement. C'est comme on le disait tout à l'heure au début de la chronique, si on est prisonnier de notre environnement, on n'est pas capable de se mettre à jour. C'est un ordinateur qui n'évoluera pas. Je prends l'exemple, justement, je reviens sur notre publicité, qui va posséder à l'intérieur 3 fentes d'expansion PCI, aucune fente AGP, donc pas de possibilité de changer la carte graphique pour une des cartes performantes qu'il y a sur le marché. On est contraint à celle qui est prise sur notre carte mère actuellement. Notre carte de son est là, pourra toujours être changée à l'occasion, mais c'est très, très limitatif et c'est organisé de façon à ce que l'ordinateur soit jetable. Ce n'est pas un produit évolutif, c'est un produit jetable. Mais là, j'entends les gens dire, oui, mais c'est un ordinateur qui va convenir parfaitement aux besoins des gens qui répondent aux exigences du programme Branché et Famille, donc qui n'ont jamais eu accès à Internet, à l'informatique, donc qui vont être satisfaits de leur ordinateur fort probablement. Mais ces annonces-là ne sont présentées pour tout le monde aussi, donc il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces pièges-là, qui sont des gens qui n'ont pas besoin de ces programmes-là, justement. Oui, bien moi, c'est ça que je vois, puis qu'on voit partout, puis je trouve ça pratiquement fâchant de voir la stratégie commerciale. Les commerçants nous installent ça, des gros rabais, des caractéristiques puissantes, 800 $ après rabais, 969 $ après rabais. Mais ce rabais-là, il s'applique à un tout petit groupe de la population, il s'applique environ à 10 % de l'ensemble de la population. Un étudiant qui a besoin d'un ordinateur ne peut pas nécessairement appliquer à ça, à moins de le faire acheter par sa famille, qui elle-même bénéficierait de l'allocation familiale, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça commence à être complexe. Un couple qui a des bons revenus ne peut pas non plus adhérer à ce programme-là parce qu'ils ne reçoivent pas d'allocation familiale. Les célibataires, il y a plein de gens qui ont besoin d'un ordinateur, mais qui n'ont surtout pas besoin de voir ce prix-là annoncé. C'est un tape à l'œil, 969 $, alors que pour eux, c'est 1469. Il y a même des ordinateurs qui sont presque gratuits. On y reviendra peut-être une fois. Et qu'est-ce que ça vaut à ce moment-là? Ça, c'est dur à dire. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir éclairé sur la question. Maintenant, moi, je me déplace de l'autre côté du studio, rencontrer un nouveau collaborateur avec qui on va discuter de Apple. Oui, la demande a été faite plusieurs fois via Internet. Alors, on en parle un peu cette année. Il s'agit de Gabriel Lemieux d'Infonique, qui est le spécialiste Mac là-bas. Bonjour, Gabriel. Bonsoir. Bienvenue à Micro Info. Oui. On va parler, évidemment, du nouveau Power Mac G4 Cube. Ça crève les yeux, il est là devant nous. D'abord, parlons du design, parce que c'est vraiment, je dirais, un coup de chapeau là, d'Apple ici. Oui, c'est un coup de chapeau. C'est un design en cheminée pour que l'air circule verticalement. C'est le simple procédé naturel qui va refroidir là, les processeurs et les composantes à l'interne. Donc, c'est pour ça qu'il est petit. On n'a pas de gros ventilateur à l'intérieur. Ni de power supply. Oui, on le voit. Il est externe. Il est assez volumineux. Il dégage beaucoup de chaleur. J'ai la main qui brûle présentement. D'ailleurs, peut-être dans les premières versions, il était interne et ça faisait flamber le tout. Ils ont dû l'enlever. Mais bon, évidemment, on le met de côté. C'est pas si pire. Là. C'est un petit commentaire. Oui. Et quand on regarde là, visuellement, bon, on remarque plusieurs choses. Premièrement, au niveau du lecteur DVD, il est vertical. D'ailleurs, si on éjectait de ce pas le DVD qu'il y a dedans, on le verrait arriver comme une toast sur laquelle on appliquerait probablement notre beurre de peanut favori. Alors, c'est quand même un beau petit design. C'est tout à fait stable aussi lorsqu'on fait jouer des disques. Absolument, oui. Ça va très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut l'ouvrir, on peut éjecter le CD ou le DVD à partir du clavier avec une touche qu'ils ont ajoutée au clavier avec, entre autres, des touches pour ajuster le volume. Bon, parlons d'abord et avant tout, je dirais, de l'aspect, compétences, si on veut, de cette machine-là. Donc, on parle ici de toutes ses composantes, ses particularités. Qu'est-ce qu'on retrouve comme processeur, mémoire et tout le tralala? Comme processeur, de base, c'est un processeur de 450 MHz. On peut avoir en option un processeur de 500 MHz. Le 450 est comparé par Apple, avec les tests d'Apple, il faut le souligner, à un Pentium 3 1000 MHz. Dans certaines applications, surtout graphiques et multimédia, ça va de soi. Particulièrement, avec ces tests-là, c'est des tests de 8 opérations communes dans Photoshop. OK. Et ensuite, au niveau de la mémoire, je crois qu'on part avec 64 MHz. C'est extensible jusqu'à combien? 1,5 GB. Donc, quand les gens disent « Ah, c'est pas expansible cet ordinateur-là », c'est pas tout à fait vrai. Bien, quelqu'un qui a vraiment besoin de 1,5 GB, d'abord, c'est un professionnel. Oui.
Ça va simplement lui faire un bel ordinateur. Et au niveau du disque dur, qu'est-ce qu'on peut dire? 20, 30 ou 40 gigs, tous les trois des ATA 66. Donc, on a beaucoup d'espace. Bon, évidemment, quand on regarde le boîtier, on voit pas de sur les quatre côtés, vous ne le voyez pas ici, mais il n'y a pas de prise, ils sont en dessous. Oui. Si on regardait qu'est-ce qu'on peut brancher dessus, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Sur ces appareils-là, on a des ports FireWire, des ports USB aussi, qui ont une particularité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, qui peuvent transmettre l'électricité. Donc, c'est pas nécessaire, par exemple, pour l'écran, de brancher l'écran dans une prise externe. Alors, on voit le port ATA, on voit tous les ports en dessous, les deux FireWire. Et là, on va l'ouvrir. Oui. Et c'est quand même assez simple, je veux dire, on a vraiment, c'est comme un petit case qu'on ouvre et là, on a toutes les composantes qui sont visibles. Peut-être nous donner, là, ce qu'on voit présentement, je crois, c'est la carte vidéo sur le dessus. Oui, sur le dessus, on voit la carte vidéo. Ici, c'est les espaces pour mettre la RAM, la carte vidéo, qui est un RAGE 128 Pro avec 16 MB de RAM. Sur le côté, on voit peut-être, il y a un emplacement à droite pour mettre quelque chose avec un fil, c'est quoi? Ça, c'est pour la carte AirPort, c'est-à-dire pour pouvoir avoir un lien réseau sans fil. Bon. Et sur le dernier côté, on voit peut-être le côté, ça c'est le disque dur qu'on voit? Oui, c'est le disque dur qu'on voit sur le côté. Donc c'est vraiment un souci de design, là, je dirais très compact. Là. On dit que des fois, il y a certains ordinateurs PC qui sont compacts, mais là on le voit l'espèce de cheminée à l'intérieur. C'est très compact, mais quand même assez aéré. D'ailleurs, on voit bord en bord de l'ordinateur. OK. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème de surchauffe qui occasionne parce que, bon, c'est comme une cheminée. L'air chaud s'évapore vers le haut, c'est normal, ça suit absolument, la gravité. Absolument, oui, oui, oui. Bon, évidemment, ça, c'est le cube. Il y a une particularité, c'est que pour l'éteindre, on ne voit pas de bouton rien. C'est comme sensible, c'est une surface sensible. Oui, absolument. Il y a deux boutons photosensibles, si on veut, qui permettent de mettre l'ordinateur en veille. Ce n'est pas un ordinateur qui est conçu pour être éteindu, mais plutôt mis en veille. Alors, on n'éteint jamais cet ordinateur-là, à moins de faire un redémarrage après des installations de logiciels. Il y en a un ici. Sur à la base de l'écran, non seulement pour l'écran, mais pour l'ordinateur aussi, et un sur le dessus bon, du cube. Parlons-en de cet écran qui n'est pas fourni, je dirais, avec tous les cubes. C'est en option avec quelques dehors de plus, parce que ça, c'est vraiment un des plus beaux écrans qui nous a été présenté ici. C'est un écran qui est vraiment superbe, autant visuellement que la qualité de l'image. C'est un écran LCD qui a une très belle qualité, une très belle résolution. Même comparer cet écran-là à des écrans de télévision numérique, c'est vraiment surprenant. Il utilise d'ailleurs une nouvelle technologie numérique d'Apple, je crois, pour... Oui, c'est un connecteur spécial qu'Apple a développé spécialement pour ces moniteurs-là. C'est un connecteur qui permet de transférer les ports USB. D'ailleurs, il y a deux connecteurs USB à l'arrière de chaque moniteur d'Apple, qui a le jus pour alimenter, ainsi qu'un signal... numérique. OK. Oui. On va terminer maintenant avec les trois petits accessoires qu'on a sur le devant. On a, bon, le clavier, on en parlait tout à l'heure. C'est maintenant le clavier Apple Pro. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus vraiment? Ce qu'il y a de plus, c'est des touches pleine grandeur qu'on avait oublié sur les claviers précédents. Plusieurs personnes se sont plaintes justement du petit clavier qui avait pourtant des touches de la même dimension, mais qui semblait vraiment minuscule. C'était vraiment plus petit. Celui-ci, on a ajouté des touches pour ajuster le volume, diminuer, augmenter et un mute avec la touche ici pour sortir le CD. OK. Et évidemment, on a aussi, je dirais, la souris qui est tout à fait particulière. La POC d'Apple qu'il y avait sur le iMac n'existe plus. Et ils n'ont pas fait que mettre une souris ovale. Elle est tout à fait différente. La souris est totalement différente. D'ailleurs, c'est une souris optique. Oui, une souris optique, évidemment, comme les dernières que Microsoft et Logitech ont sorties, alors pas besoin de boules? Non, exactement, pas besoin de boules. Fini le sautillement des curseurs sur l'écran. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut même l'utiliser sur l'écran elle-même. On peut l'utiliser sur à peu près n'importe quelle surface, tant que ce n'est pas une surface miroir qui est très réfléchissante. Bon. On peut l'essayer sur l'écran, ça bouge tout seul. Oui. Où sont les boutons? Parce qu'on n'en voit pas. La souris, c'est le bouton. Okay. Il n'y a qu'un seul bouton. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajuster la tension de ces boutons-là. Et en terminant, on a les haut-parleurs, aussi design que le reste, évidemment, ça va avec Apple. Donc ici, on voit il y a un petit protecteur devant, si on peut l'enlever, je crois. Oui, absolument, on peut l'enlever. Nous, on le laisse dessus, particulièrement en boutique, pour éviter que des gens mettent les doigts sur le petit cône, le miroir à l'intérieur. C'est fabriqué par Harman Kardon, puis la qualité sonore de ces petites boules est vraiment surprenante. Oui, c'est vraiment, ça sonne pas plastique, même si ça a l'air... Absolument pas. ça sonne cristal, plutôt, on pourrait dire. Oui, ça étonne beaucoup de gens. OK. Et... En terminant, le prix, à peu près, là, ça va varier de quoi à quoi, dépendamment des accessoires et de tout ce qu'on a? Ça tourne aux alentours de 2 500 $ pour le cube. Et pour l'écran, ça se rapproche de 2 000 $, 1 500 à 2 000 $. Évidemment, mais là, on peut prendre l'écran plus cher. Séparément, oui. Séparément comme ça, d'accord. Il y a un écran 22 pouces aussi. Ben, merci beaucoup, Gabriel. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, on fait une petite pause et on vient ensuite te parler carte vidéo avec Michel Matt. Thank you.
Le meilleur vaccin permettant de lutter contre les virus informatiques demeure l'information. Plus vous en savez sur les virus informatiques, moins vous risquerez d'être infecté et moins vous serez dépendant d'un logiciel antivirus. Quelques références s'imposent dans ce domaine. Le Centre de recherche antivirus de Symantec s'efforce sans cesse de fournir des solutions rapides et globales contre les menaces de virus informatiques. Ce centre recherche et développe des technologies visant à éliminer ces menaces tout en informant le public sur l'importance de la sécurité informatique. Chaque virus informatique répertorié comprend généralement une fiche descriptive qui explique ce qu'il peut causer comme tort une fois activé. Cette fiche descriptive permet aussi de savoir s'il s'agit d'un virus répandu et s'il est dangereux. Enfin, Symantec fournit parfois les explications nécessaires permettant de supprimer manuellement un virus. Le Centre de recherche antivirus de Symantec propose également une section sur les canulars, c'est-à-dire sur les faux virus informatiques. Networks Associates, le principal concurrent de Symantec, propose également un site Web comprenant une mine d'informations, celui de l'équipe de réponse de secours de l'antivirus McAfee. Il répertorie un nombre équivalent de virus informatiques, comprenant tous une fiche descriptive plus ou moins étoffée. La présentation des caractéristiques de chaque virus, des symptômes qu'il occasionne, de sa méthode de transmission et des instructions nécessaires pour le supprimer varie quelque peu de celle du Centre de recherche antivirus de Symantec, bien que les informations véhiculées y soient quasi identiques. L'équipe de réponse de secours de l'antivirus McAfee dispose aussi d'une section sur les canulars, de même qu'un calendrier recensant les dates d'activation de certains virus qui ne se réveillent qu'à un moment donné. Le Virus Bulletin, qui célèbre cette année son 10e anniversaire, offre sous forme d'abonnement un journal technique mensuel traitant des virus informatiques et des logiciels antivirus. Puisqu'il est dispendieux, la majorité d'entre vous préféreront consulter les ressources qu'il offre gratuitement en ligne. Il propose un outil de recherche permettant de vérifier les appellations que peut prendre un virus en fonction des logiciels antivirus qui les détectent, de même qu'un tableau de prédominance indiquant chaque mois quels ont été les virus les plus populaires, mais surtout la fameuse « Wild List » de Joe Wells qui recense les virus en activité sur le globe à partir d'observations d'experts en détection de virus. Il est surprenant de constater que sur les quelques 50 000 virus connus, à peine 200 sont en circulation. Enfin, VMITS, un site entretenu par Rob Rosenberger, l'expert en matière de mythes et de canulars sur les virus informatiques, constitue une référence incontournable pour les personnes susceptibles d'être atteintes de paranoïa chaque fois qu'elles reçoivent par courriel un avertissement contre une nouvelle sorte de virus particulièrement destructeur. En plus de fournir des explications concises sur les faux virus informatiques, Rob Rosenberger s'en prend systématiquement aux médias qui colportent des informations erronées sur ces prétendus virus ou qui sèment un vent de panique lorsqu'un nouveau virus bien réel fait son apparition. En effet, il nous apprend que les dommages causés par certains virus célèbres tels que Michelangelo en 1992 auraient été beaucoup moins importants qu'annoncés par les médias. Tel que promis, on parle de cartes vidéo. C'est la guerre de l'automne avec Michel Matt. Bonjour, Michel. Bonsoir, François. Alors, je pense qu'on ne fera pas autant de chroniques que l'an dernier sur les cartes vidéo parce que là, ça a commencé à rediminuer un peu. Bien, effectivement, on va tous, je pense, les passer ce soir parce que, en fait, il y a trois gros joueurs pour la rentrée là, cet automne qui sont Nvidia avec les GeForce, ATI avec la Radeon et toujours 3DFX qui est dans le portrait. Parce que Matrox, bon, sont un petit peu écartés présentement. Ils ont sorti la 450 qui est ordinaire. Exactement. Savage, c'est mort, ça a été racheté par Nvidia. C'est disparu également. Donc, il nous reste les trois joueurs principaux. Et c'est quand même une belle bataille là, qui s'annonce pour le temps des fêtes, pour les gens qui veulent investir dans une carte vidéo. Bon, avant de présenter des résultats de test, on va, je dirais, critiquer un peu chacune des cartes. Tout d'abord, le monstre, on pourrait dire, la Voodoo 5, 5500. Effectivement, une carte qui était très attendue, puis... C'est une carte là, qui est quand même un petit peu spéciale. On parle beaucoup chez 3DFX de reprendre le principe du slide. Donc, c'est une carte qui est équipée de deux processeurs VSA 100, chaque processeur ayant 32 MB de mémoire. Donc, on vient un petit peu avec le phénomène de la ATI Furimax. Donc, les deux processeurs fonctionnent en alternance. C'est une carte qui est très, très longue. Hein? Ça nous rappelle un petit peu la Intense Voodoo Rush à l'époque qui ne pouvait pas embarquer dans n'importe quel boîtier. Et étant donné qu'elle a deux processeurs, c'est... On voit ici quelque chose de particulier. Oui, exactement. Ça vous prend un connecteur là, de courant. De courant. C'est une alimentation électrique pour la carte. Elle ne se suffit plus là, de ce que le bus, la fente peut lui fournir. Et surprise, il n'y a rien là-dessus. Là. Exactement. Et ça va être le cas des trois cartes. On a trois cartes haut de gamme qui coûtent très cher et
Tout ce qu'on a dans la boîte, c'est une carte vidéo, pas de sortie télé, pas de jeu, rien d'autre. On a un CD pour les pilotes et une carte vidéo. Alors qu'on se souvient qu'il y a quelques années, on se battait, on essayait d'offrir les meilleurs jeux possibles pour essayer de vendre des cartes. Maintenant, il n'y a que le produit dans la boîte. Bon, 3DFX, là, comment ils vendent leurs cartes? C'est quoi sa force selon eux? Et, évidemment, 3DFX, en ayant deux processeurs, lorsqu'on arrive en plus haute résolution, on va voir que la carte, elle va plus garder le rythme que, par exemple, une autre carte qui, avec un seul processeur en très haute résolution, en 1200, 80. En 1280 ou même en 1600 par 1200, là, en 32 bits, on va voir les cartes qui vont commencer à descendre. C'est peut-être là que réside la force de la Voodoo 5 5500, parce que pour ce qui est du processeur, le VSA100, moi, je dirais qu'il n'est pas très, très performant. Par contre, on se rappelle dans le passé, à chaque fois qu'on sort des nouvelles cartes vidéo, on nous arrive avec une nouvelle technologie. On se souvient de l'environnemental bump mapping chez Matrox. Puis par la suite, les GeForce sont arrivés avec le TNL. Maintenant, ces trois cartes-là nous arrivent avec le FSAA. Qu'est-ce que c'est? C'est le Full Screen Anti-Aliasing, ou en français, anti-crénelage. Ça va nous permettre, par exemple, d'éviter l'effet d'escalier là, dans une courbe ou dans une diagonale. Ça va nous rendre notre ligne beaucoup plus uniforme. Est-ce que ça a un désavantage, cette technologie-là? Évidemment. Tout ça, ben, en fait, il n'y a pas toujours un prépayé, mais dans ce cas-là, il y en a un très fort au niveau de la performance. Moi, j'ai fait des tests, entre autres, dans Quake 3. Je dirais en partant que le meilleur anti-crénelage est fait par la Voodoo 5 5500. Je pense qu'ils font le plus beau travail. Par contre, dans Quake 3, en 1280, 1024, 32 bits, j'ai eu des pertes de performance de au-delà de 50 %. Donc, ça ne vaut pas la peine pour ce que ça nous apporte dans le jeu. Je pense que ça ne vaut pas la peine d'activer ça. Bon, cette carte-là, on l'a comparée à une autre qu'on a testée l'an dernier, en fin de saison, qui était la GeForce 2, évidemment, celle ici de Elsa. Donc, ça demeure une carte qui, évidemment, qui a diminué un petit peu de prix, je crois. Oui, oui, les prix ont un petit peu descendu, mais ça demeure quand même des cartes qui sont chère, très dispendieuses. Hein? C'est des cartes qui avoisinent les 500 $, en fait, les trois cartes qu'on a là. La particularité de cette carte-là, il faut comprendre que chez NVIDIA, présentement, moi, je dirais qu'on a une drôle de stratégie, une stratégie un petit peu mélangeante parce qu'on a les processeurs, on se souvient des GeForce 256. Par la suite, on a eu les GeForce 2. Ensuite, GeForce 2 MX, GTS, et on a les Ultra qui s'en viennent. Ça, c'est une GTS. C'est probablement la plus performante sur le marché présentement. Moi, c'est une carte qui m'a beaucoup impressionné. Et évidemment, bon, AT&T arrive avec sa nouvelle technologie de l'automne. Radeon. Exactement. La toute dernière, on l'a reçue il y a à peine quelques jours, c'est le processeur Radeon. C'est disponible en trois formats. 32 MB SDR, 32 MB DDR et 64 MB DDR. On a celle du milieu, donc une carte qui est équipée de 32 MB DDR. Donc ça, c'est la mémoire là, qui est, qu'on appelle plus Double rapide. Data Rate. C'est donc plus rapide. C'est une carte qui m'a impressionné. Je pense qu'ATI a fait un bon coup avec cette carte-là. C'est un pas en avant. Encore une fois, une carte, aucune sortie télé, ce qui pourtant équipait souvent les cartes d'ATI dans le passé. Aucun logiciel qui vient avec. Une carte autour de 400 $ également. Bon, là, on va parler des tests. Alors, le duel de l'automne, alors, quels tests on a utilisé, Michel? Bon, ben, on revient toujours avec les mêmes tests, c'est-à-dire 3DMark 2000, Quake 3 et Unreal Tournament. Alors, 3DFX versus NVIDIA versus ATI, on va regarder qu'est-ce que ça donne à l'instant. Premier résultat intéressant, 3DMark 2000, alors c'est la note cumulative finale en deux résolutions différentes. Exactement, on s'est contenté de la résolution de base, 800 par 616 bits, et on est allé en 1280, 1024, 32 bits, qui est une résolution beaucoup plus élevée. En 32 bits, c'est beaucoup plus exigeant. On peut voir en 800 par 600 là, la Gladiac, qui est la GeForce GTS, qui bat littéralement tout le monde. Puis ma surprise, moi, c'est la Voodoo 5 5500 qui performe, je dirais, pas beaucoup là, comparativement aux deux autres. Ça m'a beaucoup déçu. Je m'attendais chez 3DFX, généralement, on a toujours des processeurs ultra performants. En tout cas, là, c'est pas le cas. Par contre, en haute résolution, on voit que l'écart là, se rétrécit. Les deux performants et les deux processeurs qui prennent avantage. Et on retrouve chez ATI même qui vient chercher la Gladiac. Et avec un jeu qui est Quake 3 Arena au niveau des nombres d'images par seconde, on voit évidemment, là c'est la domination de la GeForce 2. Encore une fois, la GeForce 2 là, qui domine, je dirais, outrageusement. Par contre, en haute résolution, encore une fois, 3DFX fait bien. Il se rapproche
considérablement, en fait, il est pratiquement égal avec la RTX. Je ne penserais pas se voir de mon vivant, là, mais ATI supérieur à 3DFX, là, ça va mal pour 3DFX quand même. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que c'est un très bon coup là, pour ATI. Mais avec Unreal Tournament, là, il se rattrape, si on veut. Oui, exactement. En fait, on a changé notre démo cette année là, pour Unreal Tournament, pour faire un démo qui est un petit peu... lui donner de meilleurs résultats. Et on voit qu'en 800 par 600, là, ça s'équivaut passablement. Alors que lorsqu'on monte, bien là, 3DFX en haute résolution qui prend l'avantage, et c'est même la GeForce qui se classe dernière. Donc, ça va toujours dépendre de nos goûts, ça va dépendre de nos besoins. Et on voit que dans certaines applications, 3DFX ressort, dans d'autres, c'est la GeForce, la ATI. C'est toujours une question de goût, c'est toujours une question de besoin. Considérant que c'est des cartes qui se situent sensiblement dans la même gamme de prix, je crois que la ATI Radeon est quelque chose comme 50 $ moins cher. D'accord. Alors, il faut vraiment y penser bien là, avant d'acheter une nouvelle carte parce que c'est très dispendieux. C'est pour ça que ça devient peut-être alléchant d'acheter les anciennes technologies. Bien, moi, je reviens toujours là-dessus. Investir 500 $ sur une carte vidéo qui, de toute façon, va être désuète dans quoi? Un an et demi, deux ans? Il reste encore des TNT2 ou même des GeForce, des Voodoo 3 2000 à moins de 150 $ qui vont vous donner d'excellentes performances. Vos jeux vont être fluides, ça va bien marcher, c'est compatible et ça ne coûtera pas cher. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. Maintenant, moi, je me déplace de l'autre côté du studio pour discuter de l'échelle particulière vraiment d'animation. Et pour ce faire, on est avec Christian Paquet. Bonjour. Bonjour, François. Alors, ça s'appelle Poser. Oui, c'est un nouveau logiciel qui existe depuis un bout de temps. On en est à la version 4. C'est Metacreation qu'on connaît de par Bryce, entre autres, qui est le plus connu, et Fractal Design Painter. Donc, c'est vraiment un logiciel particulier là, au niveau de l'animation parce que c'est pas comme Lightwave ou 3D Studio Max, des gros logiciels extrêmement complexes et extrêmement coûteux. Oui. C'est beaucoup plus accessible. Et qu'est-ce que ça permet de faire exactement? Ben, en fait, le cauchemar des animateurs 3D dans les logiciels 3D conventionnels, même les plus avancés, c'est de créer des personnages en 3D. Toutes les formes organiques, en fait, sont difficiles à produire. Fabriquer un animal ou un personnage dans un logiciel 3D, c'est tout un job. Poser règle ce problème-là en nous proposant une librairie très, très extensive de modèles 3D, hommes, femmes, enfants, des squelettes et des animaux et des robots. En tout cas, il y a de tous les modèles. Et c'est vraiment justement un logiciel qui nous permet de travailler avec les postures, avec les poses. En fait, c'est tellement avancé qu'on peut même modeler des visages et créer facilement une caricature d'un personnage connu avec Poser en quelques secondes, en quelques minutes. Là. Bon, rien de mieux qu'une bonne démonstration. Si on saute dans le logiciel qui a une interface très jolie, en passant, ça fait, c'est pas typiquement Windows avec des fenêtres partout. Oui, même, oui. C'est spécial. C'est typiquement Metacreation, oui, hein, Kyle Krause qui crée toujours des interfaces très intéressantes. Donc, c'est une interface qui ressemble aux habitués de Bryce. Ça ressemble beaucoup aux interfaces un peu qu'on retrouve comme celle de Bryce. Avec navigateur ici pour la position globale de la caméra, on peut déplacer le personnage, le positionner dans les angles de vue de notre choix. On peut approcher, éloigner, choisir des vues préétablies. Et on a différents outils dans le haut de la palette ici qui nous servent à déplacer, rotationner différentes parties du corps, comme par exemple, je pourrais faire pencher la petite demoiselle ici, vers l'avant, en la prenant par la taille. On peut mobiliser n'importe quelle partie du corps avec la souris, tout simplement, très facile. Et c'est un logiciel, vous le voyez, qui fonctionne quand même très rapidement, très facilement. Si je veux faire une rotation à ce moment-là, je peux prendre l'outil de rotation ici, qui me sert à faire exclusivement une rotation du corps. Et ce qui est fantastique là-dedans, c'est justement la mobilité des éléments puis les contraintes au niveau du corps. On peut faire ce qu'on appelle la cinématique inverse, ce qui nous permet de tirer sur un membre, par exemple, puis le reste du corps va suivre dans des proportions correctes. On n'aura pas de désarticulation ou de phénomènes assez souvent reproduits en 3D, là où on a des principes physiques qui ne se peuvent pas. Donc, c'est un logiciel qui règle ces problèmes-là. Je me pose la question, évidemment, ce genre de logiciel, est-ce qu'il va être utilisé uniquement pour créer des modèles qui vont être statiques, qui vont être animés, ou les deux? En fait, il génère des rendus foudroyants, extraordinaires, de plusieurs façons. Il y a même des rendus de dessins animés qu'on peut paramétrer. On pourrait faire une bande dessinée au complet avec Poser, par exemple, pour vous donner un exemple. On peut exporter, évidemment, les modèles dans n'importe quel logiciel. Les formats d'exportation sont connus, 3DMF, 3D Studio, DXF et compagnie. Donc, c'est des formats qui s'exportent assez bien et qui se récupèrent assez bien dans d'autres logiciels. Je présume que pour aussi l'animation faciale, ça doit être assez détaillé. Tout à fait.
C'est un logiciel, en fait, je devrais vous montrer la palette des propriétés à droite. C'est une palette qui contient des figures déjà préétablies. Donc, il y a déjà plusieurs figures et on peut sauvegarder celles de notre choix, des enfants, des bébés, comme je vous le disais. Donc, on a les figures à droite. On a les pauses, mais des librairies, là, ça ne finit plus. Ça, c'est les petites pauses de base, mais si je m'en viens dans Action Set, ici, j'ai d'autres pauses différentes qui sont offertes. Donc, si je m'en viens dans Sport Set, donc là, j'ai des pauses de sport. Donc, je peux aisément, avec le séquenceur dans le temps, assigner une pause à un moment précis, 2 secondes après, assigner une autre pause, et le logiciel va s'occuper de faire le passage d'une pause à l'autre dans le temps. Et c'est exactement le même principe pour les animations faciales. Pour vous donner une idée, au niveau des animations faciales, si je m'en viens dans les visages, j'ai différentes poses de visage qui sont déjà établies ici et j'ai toutes les consonnes, les phonèmes A, E, I, O, U, B et ainsi de suite. Donc, je peux les assigner dans le temps. Donc, si par exemple, je veux faire une animation avec la voix surimposée, faire correspondre très les phonèmes facile. Avec... Donc, c'est vraiment très facile. Là. On peut superposer une couche sonore, la comparer en même temps puis attribuer les bons phonèmes, les bonnes gesticulations au niveau du visage. Il y a plein de propriétés au niveau des cheveux. On peut choisir des cheveux, on peut choisir des habillements. Si je m'en viens, par exemple, dans les propriétés, ici, j'ai des habillements au niveau des chapeaux, au niveau de tous les types, là, cannes, accessoires. Et on peut évidemment en importer d'autres logiciels. Oui, non. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un logiciel très simple d'utilisation et qui donne beaucoup de choses, de oui, résultats effectivement. Intéressants. Juste au niveau du détail, pour vous montrer justement dans quel ordre on a du détail, je vais vous montrer au niveau du visage. Je vais prendre ce visage-ci, puis je vais l'approcher un petit peu. Je clique sur la tête, un petit instant. Je clique sur la tête, et au moment où je clique sur un objet, les propriétés ici à droite sont contextuelles à l'objet qui est sélectionné. Donc, si je m'en viens ici au niveau des cheveux, je peux déterminer à quel point les cheveux sont longs, rétractés ou à quel point ils ont poussé. Au niveau du visage, si je m'en tiens à la tête, seconde que je la sélectionne, là, si je m'en viens à la tête, je peux ouvrir les lèvres. Donc, tout est modélisé. Les dents sont modélisées, la langue est modélisée, tout est là. Je peux faire faire haut à la bouche, comme je peux faire l'inverse de haut. Donc, on peut faire aisément des caricatures, évidemment, avec ça. Donc, la langue et ainsi de suite. Donc, on peut régler tout ce qu'on veut. Bien, merci beaucoup, Christian. C'était une très belle démonstration d'un beau petit logiciel. Merci, François. Maintenant, nous, on vous présente une entrevue qu'on a tournée il y a quelques jours avec Luc Fortin qui était de passage en studio. Et ensuite, on revient pour conclure ce segment technique. Luc Fortin a bravé les nids de poules géants de l'autoroute 20 pour se rendre à Québec dans notre modeste studio pour parler avec nous de différents sujets. Bonjour Luc. Salut François. Qu'est-ce que tu fais à Québec là? Bien, je suis venu te montrer des choses, puis j'aurais voulu te montrer de Montréal, là, mais c'était trop compliqué. Fait que j'ai décidé de venir te montrer à Québec. Bon, tu vas nous parler de quelque chose d'amusant. On voit qu'il y a un tableau blanc derrière nous qui va souvent être utilisé dans les réunions d'affaires, dans les cours, écoles. N'importe où. Puis c'est justement, je viens te le montrer comme ça, la prochaine fois, je vais pouvoir m'en servir à Montréal. Supposons que je dis, bon, bien, on va dessiner quelque chose. Je décide de dessiner une maison comme ça ici. Alors, je prends mes crayons, puis je les dessine tout simplement. Mais là, si je suis à Montréal, puis je veux que toi, tu les vois, ça ne fonctionnera pas, parce que tu ne pourras pas les voir. Alors, ce que la compagnie a fait, la compagnie Electronic Imaging, ils ont inventé des systèmes de crayons, comme ça ici, qui nous permettent, avec un petit senseur à l'intérieur, de dessiner sur un tableau et d'être capté par les senseurs qui sont sur les coins du tableau et de voir à l'ordinateur le résultat. Donc, on va voir à l'ordinateur mon dessin que j'ai fait. Et on peut avoir, dans le cas de ce produit-là, 4 crayons, on peut avoir d'autres couleurs. Donc, toi, tu as le crayon vert, moi, j'ai le crayon rouge, donc on dessine. Oups, on aurait dû changer nos crayons. Oui, ça, les verts. Et ça nous permet de faire des dessins. Donc, on peut faire des fenêtres, on peut faire n'importe quoi. L'avantage qu'on va avoir avec ça par rapport, mettons, à un net meeting et la petite souris, c'est que, premièrement, ça peut être utilisé dans une fenêtre, dans une classe complète où on aurait un cours qui serait donné à l'avant. Le professeur travaille tout simplement avec ses crayons au tableau. Et ça peut être distribué sur tous les ordinateurs des étudiants, ou mieux, ça peut être distribué n'importe où sur Internet. Parce que si on retourne à l'ordinateur, on va voir ici à l'écran, que dans le logiciel, il y a plusieurs fonctions, on peut avoir plusieurs pages, mais entre autres, ici, ce qu'on peut faire, on peut hoster une session, hoster un meeting, ou joindre un meeting. Donc, n'importe qui a le logiciel peut dire, parfait, je vais prendre le meeting, je vais créer un meeting, et tous les gens vont pouvoir se connecter à moi et je vais pouvoir faire les dessins à mon tableau,
et on va les voir un peu partout. Bon, avant de parler un peu du logiciel en avantage, on va regarder un peu le matériel. Bon, on regarde ces crayons-là, sont géants, mais ils sont pas si... Oui, c'est ça. Si je vous montre les crayons, vous allez dire, hein, c'est un petit peu gros par rapport à des crayons normaux. On va sûrement les voir bien à la caméra dans quelques instants. Ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est que c'est un crayon normal qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de crayons. Et ça ici, c'est le senseur qu'on fait fonctionner. Donc, le senseur, quand on pèse sur notre crayon, il émet un petit bruit, un petit signal sonore qu'on peut entendre et qui est capté par les senseurs. Si on regarde sur le dessus, François, tu peux tourner le dessus et on va voir qu'il y a des batteries sur le dessus, des batteries de montre, tout simplement, de 3 volts. Donc, il y a deux batteries par crayon. Et c'est ça, il faut que tu le tournes, c'est ça, exactement comme ça. Et c'est des batteries, donc ça fonctionne à batterie, tout simplement. C'est très facile à utiliser. Je l'ai utilisé pendant à peu près 1 heure et demie. Et ça, les batteries ont très bien fonctionné, là, sans aucun problème. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de dessiner au tableau, puis c'est aussi simple que ça. Et justement, au tableau, on voit dans les quatre coins du tableau. Non, dans les deux coins. Dans les deux coins, oui, effectivement, du tableau. On voit des senseurs. Donc, justement, on n'a pas besoin aux quatre coins, c'est juste aux deux. C'est ça, c'est juste les deux coins qui sont en haut. Ça se branche sur un port série d'ordinateur, donc comme 1 et comme 2. Et avec ça, on est un ou l'autre, là, et on ça capte l'information. Petit logiciel très simple de même pas 1 MB qu'on installe à l'intérieur qui nous permet de dessiner, de projeter ça sur Internet en direct ou de le projeter à n'importe qui via n'importe quel programme. Mais là, je vais te faire remarquer quelque chose. On voit la maison ici, la maison sur le tableau. On voit que c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Il manque des détails. Ben, c'est parce qu'il faut passer plus fort. Exactement. C'est que si je fais juste passer mon crayon légèrement sur la ligne, bien, lui, le crayon n'a pas enfoncé dans le crayon et ne fait pas le bruit. Si on pèse relativement bien et qu'on fait le bruit comme il faut, le senseur va capter le bruit et on va voir très bien la ligne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit la ligne de plus. OK. Et cette solution-là, évidemment, coûte un certain montant. On parle environ de 200-250. C'est sûr que ça peut être dispendieux, mais je vois beaucoup d'utilisation des gens qui ont des entreprises, des vidéoconférences, des choses comme ça qui pourraient être utilisées. Et c'est vraiment simple à utiliser. Évidemment, quand on barbouille un tableau, on peut sauvegarder l'image. Oui. À un moment donné, il faut faire le ménage. Ça vient avec l'efface. L'efface qu'on peut effacer directement avec le tableau, qui vont enlever sur l'ordinateur les lignes qu'on a mises. D'accord. Bien, Luc, merci beaucoup de nous avoir présenté cette solution fort intéressante et qui va peut-être justement intéresser quelques personnes qui, avant, utilisaient NetMeeting avec la mobilité. C'est ça. Avec Québec-Montréal, on va pouvoir se dessiner des choses. D'accord. Merci, Luc. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web des productions 640KB qui s'enrichit régulièrement de nouveaux contenus. Dans la section Micro-Info 2.0, vous y trouverez toutes nos émissions en format Real Video, de même que des liens et des compléments concernant les sujets présentés durant chacune des émissions. Dans la section MI2 Tech, une série d'articles de fond touchant divers sujets seront vous intéressés, qu'ils concernent l'actualité informatique, les équipements et accessoires ou les CD-ROM et gadgets technologiques. Le site web des productions 640KB est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat, une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes de gestion de l'information tels que les catalogues électroniques, et de Linux Québec Technologies, une entreprise qui œuvre dans le domaine de la réseautique et dont l'expertise se situe au niveau de la plateforme Unix. Notre libraire Réal Provost étant absent cette semaine, c'est moi qui vais vous faire une suggestion de livre. Il s'agit du dictionnaire anglais-français d'informatique aux éditions GCI, qui vient tout juste de paraître. C'est le plus complet, le plus récent dictionnaire, évidemment, de termes. Vous avez, bien entendu, environ 18 000 termes anglais-français, donc ça va être pratique pour les gens qui sont dans le milieu, qui des fois ont des articles à écrire, comme moi, et qui doivent choisir les bons termes. Mais je dois vous faire une remarque, qu'il y a certains termes, des fois, qui apparaissent dans le guide. Exemple, Lilo, qui est un terme bien connu des gens de Linux, qui veut dire Linux Loader, et là-dedans, on nous dit Lilo veut dire Last In, Last Out. C'est un terme vrai qui existe en informatique, mais on ne nous a pas mis la deuxième possibilité. Il y a quelques petits oublis ici et là, mais quand même, avec 10 000 possibilités, ça peut être un bon ouvrage à se procurer pour les gens dans ce milieu. Alors, c'est tout pour maintenant la section technique de Micro-Info 2.0. On plonge de ce pas à discuter de jeux vidéo. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre des ligues de joueurs. Pour célébrer son 3e anniversaire, Dream City organise le 29 octobre prochain un méga tournoi de Half-Life Counter-Strike. Dès midi, des équipes de 6 joueurs s'affronteront selon un mode d'élimination simple. Dream City offrira à l'équipe gagnante la somme de 1 000 $, alors que les productions 640KB offriront plusieurs prix de participation.
Pour inscrire votre équipe, veuillez contacter les responsables de Dream City par téléphone ou par courrier électronique. Chaque joueur devra débourser la somme de 15 $ pour son inscription. Bonne chance à tous! Dans un peu moins d'un mois, la console PlayStation 2 sera une réalité en Amérique du Nord. Pour qu'une nouvelle console connaisse du succès, elle doit avoir irrémédiablement l'appui des développeurs de jeux vidéo. EA Sports sera certainement l'une des locomotives de la PlayStation 2, puisque bon nombre de jeux paraîtront sur cette console dans les premières semaines de sa sortie. Au Electronic Entertainment Expo, nous avons rencontré Mouni Radad de Electronic Arts Canada. Ce dernier discute avec nous des jeux de sport qui paraîtront sur la PlayStation 2 de même que sur d'autres plateformes. Les deux premiers titres qu'il nous présente concernent des sports qui correspondent particulièrement à notre climat. EA Sports has a great lineup, especially the winter sports. You'll have NHL Hockey 2001 coming out on PlayStation 2. It looks spectacular. And as always, on the PC, it is a phenomenal product. The beautiful facial textures on the people that are in the game. The fact that in the PC version, you can scan your own face in and play as your own team. So you can have an entire team of your friends. You can play online on the PC version. And on PlayStation 2, all of those graphic capabilities are there. So you're going to have a wonderful way to play. And then the other games that you'll see are SSX, a snowboarding title. SSX, what you can do is you can take your snowboard and jump off these incredible mountains that you would never see in real life because they're too good. And if you want to go down the course, you can follow the course. If you don't want to, though, you don't have to. You can go through the woods, but you have to make sure you don't bump into the trees. SSX sera offert uniquement sur la console PlayStation 2 quelques jours après son lancement. SSX est basé sur un nouveau sport extrême, le Border Cross, qui combine courses de snowboard et acrobaties démentes sur des circuits que l'on pourrait décrire comme étant d'immenses pistes de motocross recouvertes de neige sur lesquelles 6 compétiteurs prennent le départ. Ces derniers devront parfois jouer du coude de plus ou moins volontairement pour espérer gagner. Chacun des 8 circuits proposés seront énormes et regorgeront bien sûr de virages, de tremplins et d'obstacles de toutes sortes. Il sera possible de choisir plusieurs chemins, de prendre des raccourcis ou d'éviter des zones dangereuses. NHL 2001, qui se fraye présentement un chemin sur les tablettes des magasins en version PC et PlayStation, sera également offert en version PlayStation 2 à la mi-novembre. Sans doute serez-vous étonné d'apprendre qu'il s'agit en fait de la 10e version du célèbre jeu de hockey de EA Sports. Bien entendu, les graphiques ont passablement changé depuis, comme en témoignent ces images d'archives. La question que bien des amateurs de hockey se posent fort probablement est la suivante. NHL 2001 est-il supérieur à NHL 2000? Après avoir disputé quelques parties sur la version PC, j'ai l'impression que EA Sports ont encore une fois réussi à nous en mettre plein la vue. Même si quelques fans de la série rechigneront à l'idée de payer à nouveau pour se procurer la dernière version du jeu, aucune mise à jour n'étant encore offerte, la majorité des amateurs de hockey seront conquis par NHL 2001. Vous pourrez bien sûr incarner l'une des 30 équipes de la Ligue nationale de hockey, incluant les deux nouvelles équipes de l'expansion, à savoir le Columbus Blue Jackets et le Minnesota Wild, de même qu'une vingtaine d'équipes internationales. Les principaux changements se situent au niveau des graphiques qui ont été améliorés d'une manière significative, pourvu que l'on possède une carte vidéo récente. Les joueurs et les arénas sont encore mieux représentés. On peut même remarquer l'entraîneur de l'équipe qui donne des ordres aux joueurs sur le banc. Puisqu'il sera aussi possible de créer son équipe à partir de nouveaux joueurs et de nouveaux chandails, les parties disputées sur Internet revêtiront un cachet spécial et rendront les défis plus intéressants. EA Sports nous promettait une intelligence artificielle supérieure. Il semblerait que ce soit le cas. En jouant au niveau de difficulté le plus bas, il est plus aisé de compter des buts. Imaginez Brett Hall marqué de sa propre ligne bleue. Évidemment, cela risque de moins se produire à un niveau de difficulté plus élevé. Mais cela arrive quand même. Il s'agit donc peut-être d'une lacune. À ce propos, les meilleurs marqueurs sont identifiés cette année par une icône arborant un bâton de hockey et les cogneurs par un marteau, ce qui permet de les repérer aisément sur la patinoire. Bien que je ne sois plus un amateur de hockey, je dois cependant avouer que NHL 2001 m'a grandement impressionné. Sa prise en main est toujours aussi simple, le jeu est très fluide et suffisamment facile à suivre. On se laisse emporter dans le feu de l'action et on tente par tous les moyens de donner son 110%. Si la version PlayStation 2 est équivalente ou supérieure à la version PC, il est évident que EA Sports détient un titre incontournable pour cette nouvelle console. Que dire maintenant des autres jeux de sport d'équipe, à savoir les versions 2001 de Madden NFL, NBA Live et FIFA Soccer? EA Sports has always been about Madden Football
and NBA Live, two of our very fine products. And this year, I'm sure you've seen that the football game looks incredible. We're really excited about Madden football here at EA Sports. The facial animations, something we call inverse kinematics, the ability to take an animation where you used to run, put up your hand, and then all of a sudden the ball would appear in the hand. Well, now what we've got is the PlayStation 2 technology allows you to take the hand and move it to the ball. In FIFA soccer, this is cool as well, because if you have a head ball coming and I go up to head the ball, I move my head to get to the right place. So the hardware now is able to do things that the artificial intelligence has always been trying to get you see. Madden NFL 2001, qui est disponible depuis peu en version PC, Nintendo 64 et PlayStation, sera offert en version PlayStation 2 lors du lancement de la console. D'après les premières critiques publiées, il semblerait que cette année, les versions console auront le dessus sur la version PC en termes de jouabilité. Reste à savoir si la version PlayStation 2 sera plus belle que la version PC. NBA Live 2001, quant à lui, devrait paraître d'ici quelques semaines en version PlayStation et à la fin de l'année en version PC et PlayStation 2. Les premières images du jeu ont fortement impressionné les critiques de jeux vidéo, les joueurs ayant été réalisés avec un grand nombre de polygones, même leurs visages sont incroyablement détaillés. Les animations sont tout aussi réalistes grâce au système de capture de mouvement utilisé lors de la conception du jeu. FIFA 2001, qui sera lancé en version PC, PlayStation et PlayStation 2 vers la fin du mois d'octobre, est l'un des jeux qui a le plus impressionné au kiosque de EA Sports. Tout comme NHL 2001, FIFA 2001 présentera des graphiques somptueux et procurera aux joueurs une plus grande impression d'être sur le terrain, les environnements étant beaucoup plus dynamiques. Les jeux vidéo basés sur les sports individuels ont aussi été retravaillés, comme l'explique Munir Haddad. Knockout Kings looks great this year. We're doing something called cyber scanning. What cyber scanning is we took Lennox Lewis and a couple of our other boxers and brought them in, and they stand and a laser scans their entire body. So you have all the exact muscle definition and everything else. So Knockout Kings will be the most realistic, fastest, most fun game out there. Tiger Woods Golf. You should get online because you can play against the pros with Tiger Woods Golf from EA Sports. What you can do is go online and play as they're really playing in real life and follow along online. You gotta check it out. Knockout Kings 2001 sera offert à la fin du mois d'octobre uniquement sur les deux plateformes de Sony. EA Sports devrait frapper très fort avec cette nouvelle simulation de boxe. Le nouveau système de combinaison de coups de poing rendra chaque boxeur moins prévisible. Ces derniers seront très nombreux. Il y aura des boxeurs célèbres comme Mohamed Ali, des boxeurs contemporains comme Lennox Lewis, mais aussi des boxeuses comme Mia St. John. Bien entendu, les graphiques seront formidables. Certains athlètes bénéficiant d'une représentation 3D impeccable en raison des techniques de numérisation 3D utilisées lors de la conception du jeu. Tiger Woods PGA Tour Golf 2001, quant à lui, devrait paraître en version PC, PlayStation et PlayStation 2 vers la fin de l'année. Bien entendu, il mettra de l'avant les prouesses de la grande vedette du monde du golf, Tiger Woods, mais aussi celles d'autres golfeurs tels que Stuart Sink, Justin Leonard et Lee Jensen. Plusieurs circuits seront proposés, notamment ceux de Pebble Beach, Spyglass Hill et Poppy Hill. Le golf étant un sport de finesse plutôt paisible, EA Sports tentera de rendre l'expérience de jeu plus passionnante. Par exemple, la caméra suivra désormais la balle en plein vol. En terminant, nous avons demandé à Munir Haddad de discuter d'un jeu de course NASCAR 2001. NASCAR 2001 is going to be great for EA Sports this year. It's going to be on PlayStation 2. It looks phenomenal. You can see the smoke coming off the tires. You can see the reflection on the window as they drive around the track. The physics are that much better now, so you can see the car getting loose. If your tires wear down, your car gets loose and squirrely. You have to make sure to keep it on the road. La série NASCAR, aussi populaire aux États-Unis que la Formule 1 en Europe, devrait faire une entrée remarquée sur les consoles de Sony à la fin de l'année, en particulier sur la PlayStation 2. Visuellement, le jeu est superbe, les voitures ont été parfaitement bien modélisées et les décors demeurent très détaillés. L'animation reste irréprochable, même avec une dizaine de véhicules à l'écran. Même si ce jeu n'intéressera que les adeptes de ce sport motorisé, ces derniers apprécieront certainement piloter le bolide de Jeff Gordon sur le circuit de Daytona. EA Sports s'en mettra donc plein la vue cet automne. Le développeur japonais Squaresoft n'a cessé de gâter les joueurs qui disposent d'une console PlayStation ces trois dernières années.
Dernièrement, il commercialisait trois jeux sur la vieillissante console de Sony, à savoir Threads of Fate, Chrono Cross et Parasite Eve 2. Squaresoft signe-t-il ici trois jeux de qualité? Bon nombre d'amateurs de jeux de rôle en ont marre de devoir constamment sauver des mondes tyrannisés par des seigneurs despotiques, des magiciens corrompus ou encore par des êtres maléfiques s'étant réveillés après des siècles de sommeil. Threads of Fate devrait permettre à ces joueurs blasés d'esquisser un sourire en coin. Paru au mois de juillet, ce jeu de rôle et d'action semble pourtant être passé inaperçu. Threads of Fate se veut le successeur spirituel de Brave Fencer Musashi. Vous aurez la possibilité d'incarner l'un des deux personnages principaux, à savoir Rue et Mint, et de les guider à travers les 8 niveaux du jeu. Rue est un solide cogneur capable de prendre la forme de toute créature qu'il terrasse pour une brève période durant un combat. À l'opposé, Mint est particulièrement agile et capable de faire usage d'une vaste palette de sorts de magie. Les personnages évoluent à l'intérieur d'environnements 3D très colorés. L'univers créé par Squaresoft est humoristique et fantaisiste. La jouabilité est excellente, Squaresoft utilise les bons vieux concepts qui ont fait leur preuve. Le seul véritable défaut du jeu réside dans sa faible durée de vie qui est d'environ d'une vingtaine d'heures. Heureusement, les deux personnages principaux étant si différents, il pourrait être intéressant de jouer leurs aventures respectives. 5 ans après l'apparition de l'excellent jeu de rôle Chrono Trigger, voici enfin une suite digne de ce nom, Chrono Cross. L'un des rares jeux à avoir obtenu une note parfaite de la part de plusieurs critiques de jeux vidéo cette année, Chrono Cross se déroule 20 ans après les événements de Chrono Trigger. Vous y incarnez un héros nommé Serge qui se voit happé par un portail interdimensionnel au tout début du jeu pour se retrouver dans un monde parallèle au sien, mais dans lequel il est mort il y a 10 ans, ce qui va lui causer quelques soucis. Tout au long de sa quête, notre héros rencontrera une cinquantaine de personnages secondaires, chacun ayant une histoire à raconter. Ces rencontres aboutiront parfois sur des alliances qui auront un impact réel sur le déroulement de l'histoire. Le système de combat de Chrono Cross est sans aucun doute l'un des meilleurs conçus à ce jour. À tour de rôle et à condition qu'ils soient en bonne forme, les personnages peuvent porter un coup faible, moyen ou fort à un adversaire. Selon la puissance du coup, les chances de le réussir varieront. Le système de magie permet de manipuler 6 éléments différents. Lorsque 3 sorts de la même couleur sont lancés successivement par un personnage, il peut faire appel à une créature très puissante. Fait important, les batailles ne sont pas aléatoires. Il vous est possible en tout temps de les éviter ou d'en fuir, même contre les traditionnels boss. Techniquement, Chrono Cross est parfait. Les environnements, les personnages et les cinématiques du jeu exploitent au maximum la désormais faible puissance de la console PlayStation. Une attention particulière a aussi été apportée à la trame musicale. Elle est envoûtante à souhait. Chrono Cross, paru en août dernier, risque donc d'être l'avant-dernier jeu de rôle majeur que la vieillissante plateforme de Sony connaîtra. Final Fantasy IX sera possiblement le dernier. Elle croyait s'en être enfin débarrassée. Aya Brea, la pauvre enquêtrice du FBI, doit une nouvelle fois faire face à la propagation du virus Neo-Mitochondria. Après New York, c'est la ville de Los Angeles qui est infectée par ledit virus et notre héroïne se retrouve une fois encore la seule à pouvoir combattre l'épidémie. Parasite Eve 2, tout comme son prédécesseur, fait partie des jeux de type survival horror. Pour mener à bien son enquête, Aya Brea dispose d'un arsenal impressionnant, comprenant des armes plus offensives les unes que les autres, des tenues de protection, des trousses de premiers soins, de même que des pouvoirs liés à la pyrokinésie. Au niveau de la jouabilité, Parasite Eve 2 intègre des éléments de jeu de rôle qui rendront le jeu encore plus intéressant. En effet, Aya Brea acquiert des points d'expérience qui lui permettront d'acquérir de nouveaux pouvoirs ou de rendre ceux dont elle dispose plus dévastateurs. Parasite Eve 2 bénéficie d'une réalisation d'excellente facture. Les décors en 3D précalculés, fourmillant de détails, sont d'une beauté rarement égalée sur la PlayStation. L'ambiance sonore et les bruitages renforcent le côté inquiétant du jeu, quoiqu'il soit parfois quelque peu répétitif. Parasite Eve 2 est un titre comme on aimerait en voir plus souvent et qui, en dépit de la violence qui pourrait rebuter certaines armes trop sensibles, assurera quelques intenses heures de jeu. Malheureusement, encore une fois, Squaresoft nous livre un jeu trop court. Neversoft, à qui l'on doit les excellents Tony Hawk's Pro Skater et Spider-Man, récidive en nous présentant Tony Hawk's Pro Skater 2. Ce deuxième opus, maintenant disponible sur la console PlayStation, sera bientôt offert sur d'autres plateformes. Activision ayant récemment acquis Neversoft, c'est Serene Chan que nous rencontrons à l'instant. Elle nous présente les principales nouveautés du jeu.
Après le succès inespéré du premier titre, Tony Hawk's Pro Skater opère un retour qui s'annonce tout aussi fulgurant en nous proposant une fois de plus de nous lancer à tort et à travers dans les airs, faisant de la rue, d'une cour d'école ou encore d'une usine désaffectée de véritables terrains de jeu. Une quinzaine de skateurs sont accessibles, parmi eux de nouvelles têtes comme Eric Costin, Rodney Mullen et Steve Caballero en personne, une autre légende du skateboard. Ils pourront évoluer sur l'un des 8 nouveaux parcs de skateboarding, des États-Unis à Mexico en passant par Marseille. Quelles seront les autres nouveautés du jeu? Well, NeverSoft obviously received a lot of feedback from the fans on what they wanted to see in the sequel. So they added the number one requested feature, which was the skate park editor. And you can actually build your own park in real-time 3D with like hundreds of pieces of like ramps, rails, fun boxes, anything that you see in the regular levels, you can pretty much recreate in the skate park editor. Then you can save it to your memory card, then you can trade it with friends, and you can just keep, you know, hours and hours and hours of building your perfect, you know, skate park that you want, which is great, and it really increases the replayability. The second feature that was most requested was the create a skater. So, you know, I can make a skater that looks just like you and with different skill sets as well, which is great. And you can use that skater and skate him in your new skate park, so. Tony Hawk's Pro Skater 2 est tout aussi accessible que son prédécesseur. Les commandes sont intelligemment réparties et il est facile d'enchaîner les figures. Les plans de caméra collent toujours à l'action, donnant une vue claire et précise de l'environnement dans lequel on peut se lâcher sans compter. Y aura-t-il de nouvelles animations? Serene Chan nous en dit plus à ce sujet. We've actually added manuals. That was like kind of one of the tricks that the fans requested, which is kind of balancing on your front and end wheels. So once you grind into a manual and then into another combo, you can really increase points. We've added different kind of bails as well because, you know, instead of just falling forward, you can fall backwards, have your skateboard flip out in front of you. You can, you know, fall onto like rails and all that kind of great stuff. So we've definitely added more animations for those trick pools. Tony Hawk's Pro Skater 2 comprend 5 modes multijoueurs permettant à 2 protagonistes de s'affronter sur écran partagé. Une belle surprise de l'équipe de NeverSoft. On pourrait en dire autant de leur décision de produire une version PC du jeu. Also for PC. And not only, it's not going to be a straight port of the console version of Tony Hawk 2. We're going to actually add levels from Tony Hawk 1. So there'll actually be double the number of levels, which is great. Very much a value-added feature for the PC. And then, of course, will be online play as well. And then it'll be excellent top-notch graphics, which NeverSoft has been known for. C'est ainsi que se termine le segment jeu de Microinfo 2.0. J'espère que cette émission vous a plu. Nous allons nous laisser sur les images de Legend of Zelda Majora's Mask qui paraîtra sur la console Nintendo 64 le 26 octobre prochain, au même moment où Sony lancera la console PlayStation 2. Bonne semaine à tous!